How are we all doing today? Fantastic, glad to hear that. Let me introduce myself. My name is Christian. I'm going to be your brakeman for the way up Mount Washington today. Est-ce qu'il va partir? Telle est la question. Alors je suis en train de ramener du bois que je suis allé chercher à quelques mètres d'ici en face. Pourquoi? Parce que quand on est arrivé, j'ai commencé à regarder autour de nous ici, autour de l'emplacement de camping. Et je me suis aperçu que c'était assez difficile de trouver du bois. Pourquoi? Bah c'est assez simple parce qu'à chaque campeur qui vient, il regarde autour de lui, il prend tout ce qu'il y a autour de lui. Et j'ai simplement traversé la route, je suis allé à 20 mètres, j'ai amené le pick-up là-bas, j'ai commencé à charger là-bas. Puis il y en avait partout en fait, j'en avais sous les pieds, un peu partout du bois, donc je ne devais pas du tout chercher, je ne devais pas partir à 10, 15, 20 mètres et essayer de tout ratisser proche du terrain de camping. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un petit peu pareil dans la vraie vie en général. On a tendance à aller là où tout le monde va tout le temps. Et en fait, on ne voit pas ce qu'il y a à côté, là où moins de personnes vont. Et bah, parfois, bien souvent, on peut trouver des bonnes opportunités en allant ailleurs que où toute la masse va. Ça va aussi bien pour acheter quelque chose que pour se loger ou peu importe. Enfin, c'est un peu tout dans la vie, c'est juste un petit truc que je voulais vous partager, c'est qu'en général, il faut essayer d'aller voir un petit peu ailleurs et pas spécialement là où, où les masses vont, parce que c'est pas toujours là qu'il y a ce qu'il y a de mieux. Alors parfois oui, mais parfois non. Donc voilà, je voulais utiliser cette petite histoire pour dire ça. Peut-être que ça dira rien pour certains, peut-être que d'autres ils trouveront leur compte. Enfin voilà, c'était le petit moment inspiration. Bon, j'espère que mon feu va prendre, mais ça crépite là derrière, donc à mon avis. Ouais, ça prend! Il y a du feu! Il est pas beau ce feu? Hello les compagnons. Bon ben voilà, alors aujourd'hui on vient de... c'est le matin, il est midi, enfin c'est plus tellement le matin en fait. On vient de quitter notre emplacement en plein milieu de la forêt dans les montagnes blanches. Ah, il y a le GPS qui dit qu'on roule trop vite, étonnant. On vient de quitter les montagnes blanches et on s'en va vers le sud-est. On a à peu près 3 heures de route et on va vers
Boston, voilà. Donc ça c'est le programme. Aujourd'hui on pensait rouler sous la pluie, mais on est chanceux, il fait beau. Ben voilà, c'est super cool. On est impatient de découvrir Boston. C'est une ville qu'on n'a jamais faite, hein. Chérie, t'as jamais fait toi non plus. Et puis là on roule dans un paysage absolument magnifique. C'est superbe. On était en route pour Boston, on était à peu près à 130 km d'arrivée. On s'est arrêté, on a vidé nos tanks d'eau. On était parti pour chercher de l'eau pour les re-remplir avec de l'eau propre. Et on s'est rendu compte d'une petite chose en s'arrêtant, en faisant demi-tour, c'était ça. Ça vient d'arriver, on a entendu un poc. Un poc, 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 poc. Bon, voilà. Donc, on va utiliser ce que Raymond nous avait conseillé d'acheter et qu'on a bien fait d'acheter, qui va nous permettre de solidifier un truc à l'intérieur de la roue. Bref, j'y comprends rien. Au pire du pire, on changera la roue. Voilà, Eleanor veut descendre, donc moi je vais aller m'occuper d'elle pendant que Sébastien va s'occuper de ça. C'est good, on a un nouveau pneu et on pense qu'on va les changer les 4 demain parce qu'ils en ont 3 autres. Ça n'a pas été facile pour trouver ce type de pneu là. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va passer la nuit ici tout près dans un Walmart et parce que là ils sont fermés. Demain matin on va venir changer les 3 autres pneus parce qu'ils ont plus de 6 ans et on pense qu'il a éclaté à cause de ça. Et celui qui est à côté à l'intérieur est un peu bombé, donc on va pas prendre de risque. Et en plus ils sont beaucoup moins chers ici aux États-Unis qu'au Canada. On va pas chipoter, on va aller changer les 3 autres pneus demain. C'est encore une dépense qui n'était pas prévue, mais ça fait quand même partie de notre sécurité. On a eu de la chance que ça arrivait dans un parking et pas sur l'autoroute. Ok, le manager du restaurant où on s'est arrêté pour changer la roue nous a proposé de prendre de l'eau pour remplir nos réservoirs. Et aussi, il nous a dit qu'on pouvait rester là pour passer la nuit. Donc on va pas jusqu'à un Walmart, on reste là. On passe la nuit, du coup on trouve ça normal d'aller manger dans son restaurant, on va manger là et ensuite demain matin on va aller changer les 3 autres pneus, comme ça au moins on sera sécuritaire. Hey, sérieux, on accumule les merdes, la troisième déplacement, troisième chose qui casse. C'est un truc de fou là. On a accroché l'antenne sur le toit. Puis ça a l'air bien cassé. Hein. Fuck! Ouais bon, donc j'attends Audrey, elle est partie demander au Home Depot pour savoir si on pouvait s'installer ici pour 3 jours, pour 3 nuits. Donc on est proche de Boston et comme vous l'avez vu, donc je viens de monter sur le toit et j'ai accroché l'antenne internet et l'antenne télévision avec un arbre, donc il va falloir réparer ça. Et Audrey a quelque chose à nous annoncer, on va voir si on peut rester ou non. Oui, c'est bon, on peut rester, donc c'est cool parce qu'on est à 10 minutes du centre-centre de Boston. Donc on va pouvoir garer Liberty ici. Et puis nous, on va pouvoir profiter de visiter Boston. Ouais, on espère avoir elle un beau encore soleil. Au courant, elle n'est pas encore au courant de ce que je viens de vous dire, on a encore quelque chose à réparer sur le toit. C'est pas vrai. L'antenne a été accrochée avec l'arbre là-bas où je viens de passer. Cassé? Faut réparer. Je vais pouvoir peut-être la recoller ou je sais pas. Ça fait partie de l'aventure.
Est-ce qu'on a déjà parlé dans la vidéo ou pas? Donc du coup on a déjà dit salut les compagnons, pour pas reprendre le salut peut-être. On espère que vous avez vraiment aimé voyager avec nous et du coup nous on va vous retrouver dans la prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'on va découvrir chérie? Et ben dans la prochaine vidéo on va découvrir Boston parce qu'on a filmé plein de belles images qu'on a à vous faire découvrir. On a... Gros coup de cœur pour Boston. Ouais, gros coup de cœur, j'ai un gros montage à faire parce qu'il y a beaucoup d'images. Ça va être assez sympa, on n'a pas énormément de plans de drone mais on a réussi à en avoir parce que normalement on ne pouvait pas filmer dans Boston avec le drone. Et puis ici on est où ici? Ici on est à Cape Cod en fait, dans la baie de Cape Cod, dans le Massachusetts, donc plus au sud de Boston, même plus au sud de Plymouth. Mais c'est très sympa, on est perdu dans une réserve, c'est magnifique, enfin, il n'y a qu'à voir autour. On a dormi là, on vous a partagé une photo sur Facebook ce matin que vous avez pu voir, enfin je sais pas de quel jour vous allez voir ça, mais en tout cas il y a un matin vous voyez un lever de soleil, c'est ici. On a la caravane qui est juste là, on est sur le stationnement, il n'y a pas de panneau qui nous indique qu'on ne peut pas rester. Vous verrez tout ça, on a fait plein de plans avec le drone d'ailleurs qu'on va encore faire maintenant, que vous verrez dans... Plusieurs vidéos après. D'autres vidéos après, dans la... Non, ben, pas plusieurs, dans la... Vous allez voir Boston et après vous verrez la route. Vous verrez Cape Cod. C'est ça, vous verrez Cape Cod, donc c'est assez sympa, c'est vraiment chouette. Alors moi j'ai une petite question à vous poser, en fait. Vous avez posé beaucoup de questions par rapport aux rêves que vous aimeriez atteindre en fait, mais que vous n'osez pas mettre en application pour les avoir. Mais il n'y a pas eu beaucoup de questions vraiment très précises là-dessus, donc... Si vous voulez me donner des précisions par rapport à qu'est-ce qui vous empêche de réaliser vos rêves en fait, pas spécialement partir en voyage, mais ça peut être autre chose, mais qu'est-ce qui vous empêche de réaliser vos rêves qui sont enfouis au fond de vous, et on va essayer d'y répondre le mieux qu'on peut, vu que c'est ce qu'on essaye de faire le aussi. Mieux qu'on peut. Voilà. Bon, on vous dit... On vous dit bye bye, nous on va goûter en observant les oiseaux ici, hein, toi aussi tu dis bye bye mon chat. Et puis on va continuer à profiter parce que c'est important de profiter de la vie. Un énorme like si vous avez aimé cette vidéo. Et laissez, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner non plus, ça fait toujours plaisir. C'est ça, et un petit commentaire. Bye bye, à bientôt. Salut. Et boum, 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 docking. 3 bien, donc on est dans la forêt, on peut rester 14 jours si on veut, on va pas rester aussi longtemps. C'est ça, c'est gratuit, on est en plein milieu des White Mountains, donc dans New Hampshire. C'est magnifique, on va pouvoir faire plein.